Après, c'est la même histoire que l'original, par contre. Ouais, mais il y en a plein qui n'ont pas fait l'histoire. Nickel. T'aimes la pizza à ananas, pas de ouf. Parce qu'en gros, le jeu était quand même sorti sur PSP. C'est un jeu qui date un peu. Cette musique. Ça me donne des frissons, je vous jure, à chaque fois que j'entends cette musique-là. Les musiques de Final Fantasy, hein. Merci, monsieur. Merci, messieurs, pour cette beauté, hein. Oh, doublage en japonais. En fait, si je peux pas mettre en français, c'est doublage en japonais. Domo, je suis japonais. Pas mal le difficile. Ah, elle est difficile. Par défaut. 4 en 6. Commençons l'histoire. Les musiques, c'est quoi ce poulet, hein? C'est incroyable. FF7 Rebirth, ce sera Day One. Tout le Final Fantasy, dis-toi que c'est Day One. À chaque fois. C'est ma licence préférée, les mecs. Yo, où est-ce qu'on peut revoir la rediff, s'il te plaît? Tu peux la regarder sur la chaîne Twitch, hein? C'est gratuit. Final Fantasy 7 pour ceux qui se demandent. Vous allez voir toute la clique, hein. Zack, Angel, Genesis, tout ça. Oh là 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 là. C'est quoi ce poulet, frère? On prend pas de dégâts de balles, évidemment, c'est normal. Hein. C'est Zack le roi. Wesh, ça va, hein. Lui par contre, tu vois, au JO, je le sélectionne, tu vois, je le sponsorise. C'est mal, le saut de fou. C'est fort le son de jeu, non? Non, ça va? Ok, geste comme ça alors. Oh là là, mais. Non, mais vous vous rendez pas compte, hein? Vous vous rendez pas compte les frissons des musiques, ce que ça me fait? C'est une dinguerie! Ça me rappelle trop de souvenirs, ça me rappelle mon enfance quand j'étais sur ma PSP. Quand j'étais là, je découvrais l'histoire de Zack et tout, j'étais en mode ouais, Cloud c'est le GOAT. Et je me suis aperçu qu'après au final en grandissant, que Cloud n'était pas le GOAT et que c'était ce mec là. Zack,
八番街の方だね。ああ。だがそれにはまず駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよ。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。Alors, c'est quand le système de combat ? Ok. Alors, tu déplaces avec l'analogue, tu machin, tu verrouilles ici. Tu changes de cible avec L1 en machin, ok. Ok, ça a l'air d'être ok pour l'instant. Bon, déjà, il va bien vite, ok. Je peux changer de cible comme ça. Et je tape comme ça. Donc, je fais croix pour éviter, carré pour attaquer. What the fuck, je fais du feu ! What the fuck ! Utilise le matériel. Donc L1 carré, première matéria, L1 triangle, deuxième matéria, rond, troisième, ok. 1, 2, 3, 4, cinquième matéria, ouah, deux fois. Donc là, ça me bouffe pas mal de mana, ok. Attends, et c'est quoi L1, R1? J'ai pas encore deux trucs. Donc je peux jouer full auto-attaque ou je peux jouer full magie. Si jamais je veux faire un truc, je peux faire changer de place. Oh, les full combat de boss, ouais, c'était de ouf. Et ça met des dégâts AOE, ok. Incroyable, le système de combat est trop fluide d'une dinguerie. J'ai mis le jeu en difficile, donc les boss risquent d'être un petit peu chiants par moment. Un jeu fluide bizarre, j'avoue. Bien bizarre, hein. Square Enix ne nous déçoit jamais. Hein. Square Enix, les rois. Hein. T'as la musique au piano. Wow. Activating combat mode. Ok, 777 là-haut en haut à droite. Les roues de l'océan, onde cérébrale numérique, se trouvent dans le coin supérieur gauche de l'écran. Elles permettent d'animer des images et des chiffres afin d'entraîner divers effets pendant le combat. Leur rotation et leurs arrêts s'effectuent automatiquement et ceux-ci consomment des PS. Les types d'images pouvant s'y afficher augmentent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Si des images identiques s'alignent, une transcendance se déclenche. La technique de transcendance est mise en réserve. Ok. Je peux parer les attaques ennemies avec R1 ou esquiver avec R avec croix. Ok. Ouais, comment ça. Oh, wow. Donc là, j'ai eu un triple 2, donc ça fait que mon coup en mana est nul pour le prochain. Mon coup est nul jusqu'à la fin du combat! Je peux spam les magies! Wouah! 7-7 traits, coup en PM et PA nul, effet temporaire. 1-1-1, invisibilité, effet temporaire. 3-3-3, invulnérabilité magique, effet temporaire. 4-4-4, coup en PA nul jusqu'à la fin du combat. Invulnérabilité physique, effet temporaire. Coup critique, effet temporaire. Invisibilité, effet temporaire, ok. Donc tu as 3 effets invulnérabilité temporaire. Donc le 1-1-1 et le 7-7-7. C'est des invincibilités temporaires. Le 3-3-3, c'est invulnérabilité magique. Et le 5-5-5, c'est invulnérabilité physique. Donc là, je viens d'avoir 2-2-2. Donc là, c'est-à-dire que je spam mana, voilà. Si vous obtenez deux fois ou plus le même chiffre, 1 à 6, lors d'un seuil de transcendance, toute matériel disposée dans l'emplacement d'équipement du chiffre correspond monte en niveau. La matériel augmente d'un niveau si vous obtenez une paire et deux niveaux si vous obtenez un triplé. En outre, lorsque 7-7-7 s'affiche, Zach monte un niveau. Waouh, attendez. Par contre, là, je me suis pris cher. Ok. Wesh, laisse-moi tranquille, par pitié. Ok. Attends, je vais essayer de mettre. Attends, comment je suis là? Je vais faire de la magie là. Déchire en fait. Waouh, il fait tellement mal. Attends, mais c'est super dur. Là, je suis un gros noublard là. Il prend quoi? Il prend plus cher du feu? Wow, il fait tellement mal. Attends, il prend plus cher de quoi? Glace, je pense, hein. J'ai tendance à appuyer L1 pour rien. Faut que je m'habitue encore. Ok, la glace, ça fait 216, attendez. Laissez-moi voir. Le feu, ça fait 300 environ. J'ai plus de potions bientôt, déjà. Hein. La foudre, ça fait combien? Ok, donc c'est le feu qui fait le plus de dégâts.
Allez mon gars, coup en paix annule hein. Ok. Ligne de transcendance. Lorsque trois images identiques s'alignent, voilà. Donc j'appuie triangle. Waouh, le flow. L'octo-frappe de niveau 4. Mais c'est quoi ce poulet? Il est par terre, ok. Allez, je balance du feu là. Allez, je crame à fond. Ah merde. Allez, il va essayer de taper encore. Je recule. Je mets du feu. Je peux en faire deux du feu. Aïe. Attends, est-ce que je peux faire un perfect pari? Laisse-moi. Oh, attends. Attends, il me déchire ma. Il me déchire ma race là. Combo. Aïe. Attends, invulnérabilité physique. Vas-y, viens, tape. Eh, hey, le bouffe, tu veux faire quoi là hein? Eh oui! Voilà, vous savez. C'est qui est derrière lui. Pourquoi? Quel roi, hein. Sephiroth est un roi. Hein. Ses cheveux, ils sont chelous, ouais. Ses cheveux sont pas très bien finis, là. Wesh. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh, cinématique! Oh, il va y avoir des cinématiques magnifiques chez Troite. Sasuga Anjil. Oh, il a sorti son bigot! Oh, le téléphone à l'ancienne. Ah, donc en fait, ce n'était qu'un entraînement. Ils étaient dans une salle d'entraînement. Et même le Sephiroth, il est fou, what the fuck. Pourquoi? C'est l'échauffement, mais ton épée, elle est KO quoi. Zox. Va te chercher ta vraie épée là. Yume o mote. Ah. Eiyuu ni naritakereba yume o motsu nda. Soshite, hokori mo. J'ai eu l'entraînement des squats, ça arrive, ça arrive. Non, pour l'instant, le jeu ne me déçoit pas du tout. Après, je suis peut-être un Yankee de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que le jeu est vraiment fluide de ouf. Le jeu est beau, les musiques sont incroyables. Oh, les squats, c'est bon, c'est parti. Zox, zuibun iratsuiten no na. Attarimae daro. Kunden bakkari de genba wa nashi. Ore va faire des squats contre des subs. Allez, un sub c'est 5 squats là. Comme ça on est RP là. Vous abonnez pas trop hein. J'ai un peu la flemme quoi, faut que je me lève de ma chaise et tout.
First の一人がいなくなったんだ。C'est un DLC réunion sur PC et je l'ai sur Play. Hein. Merci à toi, sacrifice de poulet, pour ton sabre à Twitch Prime. Putain, et non, c'est un jeu entier. Putain, je dois faire des squats là. Oh. First, Samada. Zax, chingoto da. Oh, arigatai. Sabisa no jisen nimu da na. Bon. Je suis un homme de parole. Putain, merci à toi, Lizoruki. Allez. Bah, il casse les couilles déjà. Zax. こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。ラザードだ。よろしく。早速だが。C'est le roi transpire à la fin du marathon. ソルジャークラスファーストジェネシス。ジェネシス。一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。ジェネシスは trop de feu、ジェネシスは un perso de fou。中断したままだ。お、Let's go。君に行ってもらうことにする。て、舞台。ああ。この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。はあ。Enfin。ハハ。Hey, je l'aime trop, Zach. Je l'aime trop. Il est trop marrant. C'est trop bon. Allez, on y va. Let's go. On va aller rejoindre Genesis. Allez, go. Ok, donc je dois parler à lui. Hop, si j'ai des questions. Yo, Zax. Nande mo shete yaru kara, makasete kure. Ok. Mazu, nani wa naktomo sentou da yo na. Tu sais qu'en Early Development, Sephiroth et Vincent étaient censés être le même personnage qui est censé être le frère ou le boyfriend d'Aerith. Ah ouais ? Ça a bien changé, hein. Ouais, donc ça va bon. J'ai compris, c'est bon, les combats, j'ai compris, j'ai capté. Au fur et à mesure que vous progressez dans le soir, vous recevrez des messages de plusieurs personnages. Consultez-les à partir de l'option messagerie. Lorsque vous avez des messages non lus, vous pouvez accéder à vos messageries directement en appuyant sur R1 en dehors des combats. Alors lisez-les diligemment. En outre, vous pouvez consulter les commandes ou les astuces. Ok. Qu'est-ce que tu m'as laissé comme message ? Ça, je m'en fous. Ah, il y a un bouton. Attends. Ah, lorsque tu peux examiner, parler à quelque chose ou examiner, tu peux du coup avoir ça. Merci à toi, Joreas, pour ton deuxième mois d'abonnement. Les points de vie, hein, donc on voit ça, c'est les points, les PS, tout ça. Ok, donc attends, putain, je dois refaire des. Faire des squats là. Ok, attendez. Ok. Donc ça, c'est toutes les altérations de l'état. Parce que Zach il aime trop faire des squats, donc du coup là on est RP, s'il y a un sub c'est 5 squats. Et ça c'est le premier du coup, ça c'est l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi FF7 de base. Eh bien tu peux quand même suivre ce jeu là. Ok, y'a rien à... Oui, cavale hein. Ok, tu peux quand même jouer vu que c'est le début, c'est avant FF7. Y'a des trucs que t'auras pas, t'auras des rêves que tu n'auras pas, mais sinon dans l'ensemble eh bien tu devrais pouvoir suivre. Ok. Mais... Ouais, c'est bon, je les ai déjà tous lus. Et merci à toi, Yopildan, pour ton sub grâce à Touch Prime. En fait, le mieux, c'est que je mette ma table debout. Comme ça, je joue debout. Attends une seconde. Comme ça, eh bien, si je fais le squat, vous me voyez quand même, quoi. Oh. 1. 3. 4. 5. Allez, c'est bon. Comme ça, je reste debout, quoi. Ouais, merci. Pour ces matériels, vas-y, donne. Ouais, il donne des missions. Donc, je peux m'inscrire au registre des missions pour faire des missions et prendre des récompenses. Très bien. Sois inscrit, tu pourras voir les émissions sur ton portable. Très bien. Allez, viens. Je te suis, à aucun souci. Une boussole pointant dans la direction de votre destination s'affiche au haut de l'écran. Alors, dirait Isaac tout en le consultant. Voilà la carte en appuyant carré. Hey, les gars, on est fatigué déjà là. Ouh. Qui a eu l'idée de me mettre des subs pour des squats? Je suis dégoûté. Donc, les points de sauvegarde, c'est comme ça, ok. Merde, attends, qu'est-ce qui est. Donc, je peux sauvegarder, ok, ça récupère mes PV, mes PM, mes PA. Et je peux lancer une mission qu'à partir d'un point de sauvegarde, d'accord.
Nouvelle mission est disponible. Est-ce que je peux en valider d'autres? Ok. S'il n'y a pas des petits trucs cachés quelque part, hein. Moi, vous savez, je suis un mec qui aime bien fouiller partout. Donc, mission. Je peux lancer une mission depuis le point de mon menu principal. Ok. Donc là, mes gens, on lance la mission là. Mission d'entraînement, hop, entraînement de la Shinra. C'est une simulation de combat contre des unités d'infanterie. Le niveau de difficulté étant faible, un soldat comme vous ne devrait avoir aucun mal à l'emporter. Donc, imaginons que là, tu lances le truc. Hop, tu pars. Et tu gagnes du coup potentiellement des machins, enfin des matériels, etc. Donc, ça, c'est bon. Tu as des niveaux de jauge de transcendance. Le niveau de transcendance possède 5 niveaux différents. Plus le niveau de la jauge est élevé, plus il est facile d'atteindre le seuil de transcendance. Ok. Ton état change selon le déclenchement de techniques de transcendance ou en subissant des attaques déterminées. Ok. L'absence des compétences comme assaut cyclone augmente lorsqu'elles sont activées après une attaque normale. Ah. Ok. L'assaut cyclone, c'est ça du coup. Je fais ça, hop, et après je fais assaut cyclone. Wouah, c'est broken. Oh, ils sont trop nuls les... Oh, les noublards, oh. Je suis en train de les farm, j'ai l'impression de farmer des sans cœurs. Ok, donc là pour l'instant c'est tranquille quoi. Bien entendu, les soldats sont sensibles au feu. Oh, ça te fait baisser, ça te fait reculer. C'est incroyable. Donc ça, c'est une petite mission rapide. Je suis trop content. Je vous jure qu'il y a des choses qui rendent heureux. Alors que c'est des trucs anodins, hein. Juste entendre le... Je suis heureux. Oui, c'est vrai. Attends, mais tous les dialogues sont doublés, c'est une dinguerie, hein. Pokémon coûte never, hein. Pokémon Combat coûte never. Juste sur quelle plateforme? Sur PS5. Allez go. Donne-moi les objets qu'il y a dedans là. Il y a quoi dedans? Un bracelet en bronze. Donc ça c'est du stuff que je vais pouvoir équiper. Ok, il veut encore me parler de sa mission. Oh, il m'envoie des SMS. Ça reçoit aussi le message du directeur Lazard, des infos sur la compagnie. Ok. Peut-être que tu recevras aussi des messages de tes amis. Ok. Mais ne lis pas que les messages envoyés par des filles, d'accord? Ça va, c'est pas mon genre. Eh, nous on est mages noirs ici, ok? Il me prend pour quoi là, hein? Il est fou lui. Merci monsieur le soldat. Donc voilà, là je peux mettre du coup le stuff. Je peux aller à la boutique à partir d'un point de sauvegarde. Donc à d'autres boutiques en obtenant leur... Quoi? Leurs adresses internet en tant que récompense de mission, ok. Alors équipement déjà. Donc ça c'est bon. Accessoires, je mets le bracelet en bronze. Ça m'a donné quoi comme stat le bracelet en bronze? 10% de PV supplémentaire. Merci à toi Bill Karak Karik. Bref, j'ai peut-être mal dit ton pseudo, mais Osef. Ah! 3, 4 et 5. Allez hop. On le rappelle, un sub, 5 SWAT. N'hésitez pas, hein. Enfin, hésitez surtout en fait. Alors, il m'a envoyé un message. Je t'ai envoyé quelques astuces. Pourquoi? Parce que je suis un type sympa et je sais que t'as tendance à tout oublier, c'est vrai. Il y a une ville qui est suspendue à environ 300 mètres au-dessus du sol et reliée à la terre ferme par train et par autoroute. Nous utilisons 8 réacteurs Mako au total, le numéro 1 étant celui du nord, afin de fournir l'électricité à toute la ville. La construction se poursuit et le quartier général... Attends, merde. Bref, Osef, allez, c'est bon, c'est les bulletins de la Shinra, on s'en fout un peu. Là, on peut acheter des objets. Donc, je vais acheter quelques potions quand même, hein. Parce que les potions, j'en ai pas énormément, donc je vais en acheter encore 3 là. On a vu que ça me servait pas mal. Voilà, l'éther, ça ressort mes PM, tout ça. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est bien là. Parler à Angel et se rendre au Wutai. Allez, on y va, hein. Allez, on y va. Et merci à toi, Shufux, pour ton sabre à Sage Supreme. T'as vraiment créé douleur pour un squat. Ouais, je suis parti trop bas là, les gars. Allez, hein. Allez, je suis vraiment chaud. On y va. T'inquiète, chef. C'est vrai, hein? Comment ça?
Zack est un putain de roi, les gars, n'oubliez pas. Activating combat mode. Attends, si je pars bien. Donc c'est trop OP le fait de faire auto-attaque normale et faire ensuite la toupie là. Donc là on avance. On fume les soldats du bouteille, on rappelle que c'est la guerre actuellement. Changer le seiyuu de Zack, je ne sais pas du tout. Je me rappelle pas, attends. Des objets récupérés, on ne sait jamais, non, ok. Mais j'ai... moi je pense que la fin de Crisis Core Réunion, ça va être la fin de FF7 Remake. Puis un combat. Oh, ouais, la flemme. Moi je prends de l'XP, t'es ouf. Ok, on a mis 0 dégâts. C'est trop OP le fait aussi que ça recule. En plus, ça me donne de la thune, bien sûr que je prends. C'est de ouf. Donc, évidemment, c'est forcément des petits couloirs au début où tu fumes des mobs. Arrête, arrête, tu veux tirer sur qui toi? Reste tranquille. Ok, il m'a donné une potion en plus. Let's go. N'empêche, à l'époque, c'est fight sans transition de décor en temps réel, c'était fou, ouais. Trop bien. En fait, ça s'enchaîne bien, c'est ça qui est cool. C'est que c'est vraiment rapide. Ils n'avaient pas le choix, hein. Après, je suis pas sûr que être pauvre, du coup, ça t'excuse de voler, mais bon. S'il travaille à côté, ça va. Voilà. Angel, homme de valeur. Ouais. Frère, ça va, il monte des pommes. J'avoue que son histoire elle est trop nulle. Ouais, il va pas y avoir une grosse incohérence par rapport au remake, c'est juste que tu vois le remake, pour moi la fin du remake, c'est genre un multiverse, tu vois. Mais ça veut pas dire que... Attends, mission, j'ai rien à faire en mission. Non, j'ai déjà fait mission. Ok. On a trop d'histoire, hein. FF7 c'est vraiment un jeu de fou, hein. Du coup, pour ceux qui découvraient un petit peu le let's play, le jeu, bah c'est bien, vous commencez avant le jeu FF7 de base. Merci à toi, Bissa Papi. Allez, 5 squats. Il faisait combien de squats par jour, Zack? C'est fatigant de faire des squats, hein. Ah, c'est
Mais du coup, l'amène pas. Les cons quoi. Ah, ça va péter, hein. FF7 est le jeu RPG par excellence, le lore est incroyable. Ouais, l'histoire est trop bien. En plus, surtout l'histoire de Zack, quoi. Surplus d'émotion. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, le surplus d'émotion que Zack ressent envers les autres personnages peut parfois influer sur le scène. Ça signifie que l'image du personnage en question a de plus grandes chances d'atteindre le seuil de transcendance. Très bien. Et c'est vrai que oui, au niveau de l'épée, en effet, il y a peut-être des petits changements au niveau de l'histoire, mais bon, ça devrait aller. Donc ça je sais ça. Merde, je tape dans le vent. Ou je tape là où il y a du monde quoi. Là je tape, voilà, oh là, c'est magnifique là. Je suis pas cool là-bas. Oh, j'ai toujours la même attaque hein. Ils sont sensibles à quoi eux? Oh, wow. Faut MP nul, faut que je spam mes spells là. J'ai tendance à laisser appuyer un peu trop souvent R1. Ça c'est pas bon. Merde. Ah merde, j'ai mis soin en rond. Ah, mais j'ai un soin, attends mais c'est broken. J'avais pas soin tout à l'heure dans la salle d'entraînement. Attends mais je vais fumer les autres qui sont sur le toit là. Faut que je fume les autres qui sont sur le toit. Y'a des soldats qui sont sur le toit. Faut que j'aille le fumer vite fait. Oh lui il tank un peu plus, ok. Oh, j'ai plus assez de PM, merde. Oh, j'ai assez de PA pour le faire. Okay. Par contre j'ai pas de mana là. Ils ont fui. Ah, ils ont tous fui. J'aurais pu les tuer je pense de loin. Si jamais je leur avais balancé de la magie sur les mecs qui étaient sur les toits. Okay. Ah c'est le beurre de Kakashi en Angel. Ah ouais. Trop bien. Le petit critique. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête. Le doubleur de Zack c'est qui? Monstre anti-soldat. Ok. Bah allez hein, pas de soucis. Éliminez le plus de guerres du Wutai possible en infiltrant dans le fort. Le nombre de guerres vaincues aura une influence sur votre révélation en tant que soldat. Des guerres pourraient se cacher au sommet d'une tour, derrière un mur, tournant ou ailleurs. Explorez le fort pour fumer tous les soldats. Ok. Donc j'ai un timer ou pas hein, fumer des soldats là. Bon là ils m'ont dit non. Bah voilà. Les attaques élémentaires par exemple sur les sorts de magie sont efficaces sur certains ennemis quoi. Donc lui il prend cher sur la glace. Bon le problème c'est que j'ai plus de mana là, attends. What the fuck. Super mal. Wouah. C'est une dingue comme c'est dur à taper. Mettre des gros dégâts les rangs d'un. Hein. Je me soigne, deux potions utilisées ici, c'est pas grave, j'en achèterai d'autres après.
Donc là, j'ai quoi? Un soma dans le coffre. Bien. Y'a pas des éthers, j'en avais un. Voilà, directement. Hop. C'est trop OP. Auto-attack into cyclone, trop OP. Merde. What the fuck, il m'a enchaîné de ouf. Oh non, il a tapé à côté. Oula, attends, ça devient dangereux là. Ok, nice, va falloir que je me soigne un peu. C'est deux potions encore, ça devient la merde là. Là ça devient la merde, il reste encore pas mal de camps à... Il en reste encore 7 des camps à faire. La merde hein, je vais le chercher hein. Ah si où les cons? Revenez là. Oh ils sont trop malins. Oh c'est Poudlard. Ils ont des portes dérobées et tout. Ah. Oh. 69 de dégâts lui quand même hein. J'ai pas eu le temps de parier. Je peux aller dans le dos et lui mettre des bons dégâts. J'ai fait augmenter le niveau de l'assaut cyclone, let's go. Donc l'assaut cyclone c'est un des trucs que j'utilise le plus en plus, donc c'est parfait. Ok. Moi je suis heureux que ce ne soit pas du tour par tour, je serais content. De toute façon de base c'était pas du tour par tour. Est-ce qu'il y en a? Ils sont trop cons ces mecs. Regarde dans le dos les cons. Merde. Attends, j'ai une transcendance là. Je peux faire une transcendance. Ok. Augmentation de niveau. Donc là, je peux augmenter de niveau. Je peux augmenter mes, enfin, mes stats augmentent. Et je peux pas savoir la quantité de points d'expérience actuelle. Et quoi, Léo? Assaut explosif. Je l'ai pas fait tout à l'heure. Il met des patates. Wouah. Ça me fait penser à l'autre là dans FF8 déjà là. Zel je crois, c'est ça son pseudo je crois. Zel là est trop le flottien. FF8 les persos j'aime beaucoup. Je sais que c'est un jeu qui a pas été trop aimé, FF8, mais moi j'adore FF8. Mais par contre au niveau des points de vie, au niveau des potions et tout, je commence à être un peu en galère. Hein. Ah merci messieurs pour cette potion, j'en avais bien besoin. Ah, le piège. Oh le piège. Ah ils sont trop malins. J'ai pas le temps de parier. Là ça commence à être de la merde, là niveau heal là, ça commence à être de la merde. Faut que je fume le sergent avant. Et après le reste, les petits galets de merde, on s'en fout un peu quoi, ça ira. Ok, faut que je me soigne. J'aurais dû me soigner pendant que j'avais le coup en MP nul. Je suis con. Oh non. Oh non, là ça va être chiant là. Je me soigne avec ma mana. Ah, j'ai pas de quoi me... J'ai pas de quoi faire une magie de glace sur eux. Ça va, je peux juste les fumer à l'auto-attaque, ça va. Parce qu'ils mettent genre 200 de dégâts, donc vu que j'ai mis en mode difficile, ça peut être un peu chiant. Oh, y'a un coffre, est-ce que c'est un trap? Oh non. Et descendez! Ah, les bâtards, ils descendent pas? Ah si, quand même. J'ai peur. J'ai pas fumé l'autre. Je fume l'autre, et après je fume les deux. Ok, ça crit, ça crit, ça crit. Tu en fous le crit là tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai eu comme bonus pour l'instant? Wouah, 240. J'ai gratté des gars. Attends, y'a pas un coffre pas loin là? Ah si, je viens de là en fait, je suis un ouf. Il me reste encore 5. 5 5 gros mobs à battre, ok. Super potion, ça c'est big.
FF9 n'a mis 38 gifles à FF7, il n'a juste pas la chance d'être précurseur. En vrai de vrai, j'ai préféré FF7, FF6, FF8, FF10 à FF9. Mais je sais que FF9, c'est un de ceux qui est le plus apprécié. Mais je n'aime pas. Bon, l'attaque, comment ça? En vrai, c'est pas que j'aime pas FF9, juste que j'aime pas la DA, j'aime pas trop les persos, je suis pas fan de FF9. Ils sont chez dessus là? Qu'est-ce que tu fais toi? Enfin, je me soigne du fait. Voilà, comme ça je m'en mets full life avec, avec mon spell qui coûte genre 4 de PM. Donc ça c'est parfait. Ils sont pas partis dans le mur eux? 100% ils sont partis dans le mur. FF9, la DA j'aime pas du tout. Ouais, c'est ça, moi c'est plus la DA qui me dérangeait. Mais en soi, le jeu est trop bien, sinon, mis à part ça, moi j'ai adoré. Hein. Mine de rien, j'ai quand même fait le jeu jusqu'à fond. J'ai quand même fait les boss cachés du jeu. Enfin, c'est la preuve que j'ai bien aimé quand même. Oh non, pas le temps. Un multi magique, ouais, bonne chance à vous maintenant. Maintenant, c'est bon. Hein. Ils peuvent plus me faire de magie, ils sont finito. Et big. J'ai joué à Crisis Core sur PSP ou tu découvres? Non, j'ai joué à Crisis Core sur PSP. Attends, mais il y a des chemins là. J'allais où là? Attends, là c'est de là d'où je viens. Là c'est de là d'où je viens. Non? Je viens de prendre un mur, les gars, je suis perdu. Ok, donc là c'est le mur que j'ai pris ici. D'ailleurs, ça m'a fait faire le tour. Ok. Est-ce que j'ai un autre chemin? Donc là j'ai pris ça. Je fais le tour par là. Voilà, je fais le tour par là. Aïe, 60 dégâts. Il lui fait. Quand tu tapes dans le dos, du coup, ça met un petit crit. Très bien. Plus que deux forces à tuer. J'ai jamais joué un seul FF, je regarde full sa corps pour faire l'histoire moi, t'inquiète. Bah, de toute façon, c'est ça le plus important dans le jeu. Hein. Surtout l'histoire, et t'as quelques boss qui vont être stylés. Je m'occupe d'avoir des ennemis ici, attends. Personne n'a aimé FF13 ici, on dirait. FF13, ah non, j'ai pas aimé FF13 avec Lightning. Non, j'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé FF12, mine de rien. Parce que bon, contrairement à ce que j'en pense, je pense que c'était un bon jeu. Il reste des endroits où j'ai pas à clear le tout là. Hein. C'est-à-dire que je peux encore en clear d'autres, je pense. Dans le coin là. C'est quoi, on va. Ah non, même pas. Je viens de tuer les deux derniers qui me manquent là. Il m'a dit qu'il pouvait y avoir des mobs cachés derrière le truc. Donc on y va. Là-bas il y a un coffre que j'ai pas pris. Ah bah voilà, parfait. Là par contre je suis en galère de PA, de PM. Je suis obligé de faire les mêmes trucs en boucle. Ah c'est ça, c'est l'histoire de FF13. J'étais en mode bon, bof quoi. Par contre FF Tactics c'est très bien, mais c'est pas tout le même genre de jeu. Mais oui, c'est très très bien. Là par contre là ça peut être un peu chiant. C'est pas lui que je cherche. Aïe, c'est lui que je cherche. Lui en premier parce que c'est lui qui me fait des dégâts. Le reste on s'en fout. Ah non, je vais éviter. Les autres ils me font 20 dégâts, les gars ça va. Bon, père nul, ok c'est bon. Je peux faire Asso Cyclone du coup. Je spam les Asso Cyclone quand je suis en compte à nul. Ok. On a clair la zone, donc on va pouvoir avancer maintenant. Parfait. FF15 était bien. Après l'histoire un peu remplie, je prends moi. Ça allait en vrai, l'histoire, j'étais pas non plus. Non, j'étais pas si déçu que ça, FF15. Hein. J'étais pas. C'est le jeu de l'année, mais j'étais pas non plus totalement déçu. Ça va. Merci monsieur. Bonjour, ça continue de voir comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, on redécouvre un banger. Il faut le faire maintenant qu'il est complet. C'est vrai qu'il y avait full DLC que j'avais fait à l'époque, mais pas encore tous les DLC qui étaient sortis, donc c'est une galère à suivre. Très joli temple hein, d'ailleurs. Pas de petit coffre? Ah, merde. Ah merde. Oui. Oui. Il est en train de me toucher, je suis dégoûté.
Ok. Ouh, ça devient chaud là. Là ça devient chaud niveau HP. J'ai jamais mis HP avec ma potion. Ok. Ok, double esquive. Là il veut taper normal. Il va taper normal. Commence à comprendre un peu les patterns des mobs. Et il va taper, voilà. Et il va taper. Ok, il a pas eu le temps. Oh putain, j'ai pas de point d'action, j'ai rien. Oh non. Allez, please. Rapidez les améliorations. Il va taper. Okay. Je sais pas, j'ai combien de thunes, mais on va acheter des potions après. Hein. Je crois qu'il me reste pas beaucoup des potions en plus. Ah, ok, boucle d'oreille, on va pouvoir mettre le stuff. Hop. Une petite boucle d'oreille qui va me donner plus 5 en magie, donc je vais faire plus de dégâts. Les objets, j'ai combien de potions? J'ai plus que 2. J'en galère un petit peu. Hein. Ah, j'ai reçu un SMS. Attendez, SMS, monsieur. Plusieurs de nos hommes ont quitté la compagnie, la Shinra, pense que ça va avoir un impact sur l'efficacité du combat du soldat. Nous devons saisir cette opportunité pour prouver à quel point notre groupe d'élite est indispensable, même si nos rangs sont réduits. J'espère que vous profiterez de cette mission visant à mettre un terme à la guerre contre le Wutai pour prouver ce que nous valons. Ok. Merci, directeur Lazarn. Attendez, par contre, ah là, je peux régénérer mes trucs, mais j'ai envie d'aller voir à droite ce qu'il y a. Quoi ? Mais comment ça, ils ont spawn là ? Après, ça me donne. Ah, mais ça me donne pas d'XP, il faut un triple 7 pour prendre de l'XP. Aïe. Bon. Je vais garder ma transcendance. Évolution de la matière à feu, let's go. Big. Attends, est-ce que je garde ma transcendance pour le fight d'après? Je crois pas. Non, je garde pas ma transcendance pour le fight d'après, ça c'est chiant. Merde, je suis trompé dans mon attaque, je voulais pas faire ça. L'XP c'est le 777 direct level up, ouais, je sais. Enfin, le jeu m'a fait chialer comme un poussin. Oh là, bon, je suis en train de bourrer, mais je sais qu'il y a un point de sauvegarde après. Je sais qu'il y a un point de sauvegarde après, les gars. Là, je suis en train de bourrer comme un con. Juste prendre le coffre qui est là. Voilà, là, on va aller prendre le point de sauvegarde. Magnifique. Comme ça, on se régénère. Sauvegarde après, Osef. Hein. Prendre l'objet là. On a fait le tour, très bien. Est-ce qu'il y a un truc là dans cette statue là? Ouais, il y a forcément un truc dans cette statue, évidemment. Petite matéria. Qui nous dit ça? OMG. Le croissant. Oh non. Les gars, on va pas affronter le croissant quand même. C'est un peu du spoil, non, parce qu'après il se passe des trucs, tu peux pleurer pour plein de raisons. Pleurer de joie, pleurer de tristesse. Les gentils, les méchants dans le jeu, les gars, et c'est... La limite est fine, quoi. Aïe 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 aïe. Ok. Le con EP est nul. J'ai augmenté ma magie de feu d'ailleurs. Mais attends, mais ils ont des calaches aussi. Oh, j'ai augmenté d'un niveau, let's go. Putain. Con EP nul, let's go. Il est stun! Voilà, nickel. Parfait.
Le spin-off Crisis Core est mieux que le jeu de base. Non, FF7 Remake, c'est bien aussi, hein. Mais j'avoue que là, le spin-off est... Après, quand tu parles de l'histoire de Crisis Core... Raison. Quand tu parles de l'histoire de Crisis Core par rapport à l'histoire de base, ça, par contre, on peut discuter. Alors, nous avons reçu des rapports du département de la sécurité publique et du soldat sur la guerre contre le Wutai. Ça fait des années que nous négocions avec le Wutai à propos de l'extraction de Mako dans leur région, mais ceci n'a fait qu'aggraver la situation. Afin de sortir de l'impasse, nous avons décidé de reprendre les actions militaires. Une force d'intervention spéciale réduite au strict minimum a été mobilisée pour que ces opérations restent les plus discrètes possibles. En fait, ils veulent juste prendre en esclavagisme les biens les mecs du Wutai en mode « Tiens, les gars, vos terres, c'est nos terres maintenant, force à vous !» Et voilà. C'est pour ça, tu m'étonnes que du coup ils sont en mode ah, attends, mais vous êtes quand même des gros connards. Oui, oui, évidemment. Évidemment. Ah. Qui va-t-on affronter? Soldier. Alors Yuffie, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est vrai que c'est une histoire de FF7, il n'y a pas Crisis Core. D'accord. Ah, ils sont en guerre, hein. Chou. C'est vrai. Est-ce que vous aviez récupéré Yuffie, vous, dans le FF7? Moi, oui, évidemment. Mais je sais qu'il y en a plein qui étaient passés à côté. Sur le jeu de base, évidemment. Parce que c'est 20 personnes que tu peux ne pas avoir. Le jeu était tellement bien, FF7 aussi, franchement. Hein. Je me rappelle de mon enfance et que je vois les gosses de maintenant. Ils sont là, ils jouent à Fortnite, ils jouent à d'autres jeux. Ils sont que des jeux où ils n'ont pas d'histoire, tu vois. Juste, ils spamment des jeux. Je suis tristesse, mais c'est comme ça que les jeux évoluent aussi, quoi. Oh. Oh, la musique de fou. Interruption des compétences. Certains ennemis utilisent des compétences spéciales lorsqu'il n'y a pas à utiliser la jauge, machin. Attaquer l'ennemi réduit cette jauge et permet de diminuer la puissance de la compétence. En outre, si vous arrivez à briser la jauge en la vidant à temps, vous pouvez interrompre l'utilisation de la compétence. Merci. Ok. Mais attends, mais je vais pas t'attendre. Oula, oula! Waouh! Ça fait mal, les mecs. C'est tapant quand même. C'est quoi le mieux à faire contre eux? Non, c'est pas ça. Ok. Merde. Oula! Je me suis retrouvé dans le tas là. Alors, feu ça fait combien? Feu ça fait 270, ok. Ok, glace c'est mieux. Aïe. Est-ce que je peux parer? Aïe. On prend l'action, donc là je peux spam mes attaques, ok. Donc il faut que j'aille cancel sa vie. Oh putain, j'ai pas le temps d'esquiver ça. Une fois que j'ai commis un coup, en fait, je suis baisé. C'est ça, en fait, une fois que j'ai commis un coup, je suis baisé. Allez, un petit feu pour toucher. Merci monsieur. Ok. Transcendance, assaut explosif de niveau 5. Ah, c'est comme Vincent, j'avoue. Et merci à toi, Erich Kigal, pour tes 5 cerveaux offerts. Mais non, je dois faire 25 squats, là. Waouh. Par contre, ça fait tellement mal.
Ah oui. En vrai, la glace fait mal, hein. Ah, je suis commit là. Il a tapé à côté, le con. Let's go! Allez, 25 squats. Parce que 1 sub égale 5 squats, évidemment, vu qu'on joue Zach, l'homme des squats. Soldier class second Zax. Mukau tokoro teki nashi. Jōdeki da. 5. Isoide ridatsu shō. Ato 5 fun de bakatsu suru zo. Ryōkai. Hazard toukatsu. Mite ka. Isoge ore. 15. Isoide run datte. Bon. Oh. En vrai de vrai, ça fait mal au cuisse un peu, hein. Oh. Ça mute le jeu? Ah oui, en effet, attendez. Ah non, là c'est bon là, vous avez le jeu là. Pardon, je sais pas pourquoi ça mute le jeu, mais là c'est bon. Là c'est bon là, non? Vous avez le jeu? Ok. Et en vrai de vrai, c'est un peu crevant, hein. Ah, il a finalement utilisé son épée, voilà. J'aurais fumé, hein. Mon rêve, Zach faisait des tractions, mais frérot, tu te rends bien compte que traction c'était un par sub. Et encore, imagine, je dois faire 20 tractions. FF! C'est trop un bon Angel, j'aime trop aussi. Et encore, même, imagine. Imagine avec 20 subs, tu vois. Je fais 20 tractions, je suis finito, c'est bon, c'est game. Thank you. Allez, go. C'est vraiment le grand frère, c'est un peu le daron. C'est plus le daron que le grand frère, tu vois. Alors, monsieur le directeur. Sumanai, matasete shimatta ne. Gemba wa funare na mono de. Wazawaza konakute mo ii darou ni. Nagai sensou wo shuketsu ni michibiku sakusen da. Zehi kono me de mite okitakatta. Ah, c'est la fin de la guerre là. OMG. Tambourine tori de kouryaku ni mugokuro datta ne. Kimi no hataraki wa shikkari miteita yo. Hakkiri itte kimi no hyouka da ga. J'ai tout clear. Je suis en perfect. Merci monsieur le directeur. C'est bien plus tard à thème. Il refait まだまだ今だから言うがアンジールが君を推薦してきた時は正直困惑したよ何しろスクワットをしている姿しか見たことがなかったからね Merci pour cette queue de Phoenix, ça pourra me permettre de revive. Sephiroth が待っている。 Sephiroth? あの英雄の? すげえ! 英雄に会えるのか? Un héros, hein. C'est fou, eux. Wesh. Ils pétaient un plomb, eux. Oh, les danseuses. Le surplus d'émotion influe sur l'océan. Donc là, on a Sephiroth. Du coup, on a Sephiroth. On va avoir des bonus de fou. Ouais, j'ai pas besoin de ça, je crois. Pour les fumer. Oh. Merde. Je vais vous me soigner. En plus, ça me fait faire un petit backdash, c'est grave OP. Oh, joli combo, monsieur. Qu'est-ce qu'ils me veulent, les cons, là? C'est ninja, oui. Mais les mobs ont des belles animations et tout. Franchement, le jeu est assez, assez clean, hein. J'ai mis en mode difficile, du coup, hein, le jeu. C'est ce qu'ils se demandent. Ah. Il y a d'autres mecs qui sont canés. Zax, toukatsu au anzen na basho e. Oh là là. Sephiroth ni rennaku o. Angel qui rentre en jeu, les mecs. Zax de jubu. Sa, ike. Toukatsu, tsuite kite. Voilà, mission escorte. Par contre, le directeur, hein, il est trop nul à chier, hein.
Et là c'est juste un boulet, pourquoi il vient frère? Reste dans ton bureau si c'est pas de battre. Lazard Tōkatsu, gobuji de naniyori desu. Zaxu, watashi wa mou daijoubu da. Anjiru no ouyen wo. Wakatteru tte. J'espère que tu as apprécié ces 25 squats à corps, car moi oui. Bah écoute, j'ai pas du tout apprécié, mais bon. C'est la vie, hein. C'est la vie. Faut être un minimum RP quand même, hein. Mine de rien, voilà. J'ai un perso qui aime faire des squats. Il faut que je puisse faire des squats aussi IRL pour devenir tout aussi fort. Attends. Je vais me préparer, attends. Je vais me préparer, j'ai quoi à me préparer? Est-ce que j'ai pas une petite mission, là, pour la forme? Merde, c'est pas ça que je veux faire. Y'a rien à faire. Après, on fera peut-être pas tout le live debout, hein. Allez, j'arrive. Y'a pas de save auto. Je ne sais pas, en tout cas je n'aime pas les save auto donc Ah, bon il les a fumés, très bien. Hein ah, c'est d'autres mecs qui viennent foutre la merde dans la guerre. What? Wesh. What? OMG, est-ce qu'on va débloquer notre première invocation? Ifrit? Écoutez juste la musique, écoutez juste la musique. Hey. Oh merde. Arrête. Oui. Ok, je blesse. Oh, abuse. Ouais, j'arrête. Oh merde, où j'allais attaquer. Vite. Oh, j'ai pas eu le temps de lui réduire assez. 75% de dégâts, je vais prendre là-dessus. Aïe. Non mais. Mais frère, c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? Je suis mort. What? C'est une dinguerie, wesh. Il m'a déchiré. Ressayez. Aïe. Oh, mais arrête! Continue avec sa équipe de merde! Non. Ok, ça je cancel. Non. Ok, faut que j'en fasse deux au moins. Au moins la buff. Ok, 3. Ok, 4, 8. Ok. Ok, c'est bon. Tout à l'heure il a fait super vite, non? J'ai l'impression que tout à l'heure il a fait super vite. Par contre je vais avoir des problèmes là. Attendez. De la mana. Je garde mon truc pour la prochaine auto. Ok, si tu pars, ça te prend beaucoup moins cher quand même. J'attends qu'il fasse ses attaques là. Aïe. Non. Faut que je m'huile. Je vais pas faire full glace pour l'instant. J'économise mes MP. Aïe. Vite. Ok. Faire deux coups. Elle aime trop mettre des chassés, ce bâtard.
Ok, là c'est bientôt game. Allez, une petite glace, c'est fini. Et voilà, c'est fini, ennemi vaincu, Ifrit. On obtient la Materia Assaut Cyclone, c'est parti. Lui, ma glace inflige beaucoup plus de son... retire beaucoup plus de son casque parce que ça fait beaucoup plus de dégâts de base. Wouah ! C'est Firos, le héros ! Oh, le flow. Wesh. Non mais par contre, le flow de Sephiroth, c'est illégal. Le jeu sort sur Steam à 18h. Il m'a KS, j'avoue que par contre il m'a KS, mon tranquille. Genesis. Wesh, c'est que des clones de Genesis, ah oui. Oh merde. Angeal est où? ここで戦ってたはずなんだけど、あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった。そういう意味だ。ありえない。俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。 Angel, il peut pas nous faire ça, les gars, c'est notre daron. Il peut pas nous abandonner comme ça. Quelle idée. Crisis Core, Final Fantasy VII, réunion. Trophée obtenu. Une heure de jeu déjà, putain le... Eh, le temps passe si vite quand on s'amuse, les gars. Et le temps passe si vite quand on ne fait pas de squat, pas comme ce connard. C'est la joie, ça. セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて。ジェネシスって言ったら、セカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って、俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り、誰よりも大事にしてんだ。よし、FL je suis sur PSP mais ça fait très longtemps. Je me rappelle plus trop donc c'est parfait. Zanarkand, non, moi mon daron, il est parti acheter des clubs, il est jamais revenu, c'est ça? Oui, c'est moi-même. Je préfère pas en parler, tranquille. J'avoue que le jeu était opti pour faire des... j'ai mis la table debout parce que c'était opti pour faire des squats, mais là on va s'asseoir un peu. J'avoue que les genre 50 squats qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est fatigant déjà.新任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？Va faire confiance aux parents。親子だからな。Oui。Oui, logique, ils ont forcément défendre leur fils, hein, évidemment. 何が起こっているのか調査してもらいたい。これはレバーで受けてるファミリーのジェネ。お前、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 レバー
Après avoir obtenu la matière d'un esper, le scène peut passer en mode invocation. Toutes les images deviennent celles des espers. Si vous alignez 3 images identiques, vous pourrez invoquer l'esper y correspondant. Donc, alors participez à des missions afin d'obtenir des matières d'esper. Exemple, mission 8-1-1, revanche contre Ispit, etc. Donc là, pensant, j'ai pas encore la matéria frite, donc il faudrait que j'aille faire la mission. Oh, attendez, il y a plein de messages là. Ce que je pense d'Angile. Apparemment, tous les soldats pour la classe sont un peu tordus, mais je pense qu'Angile a pied sur terre et qu'on peut lui faire confiance. Une chose est sûre, Genesis n'a jamais aimé le travail de groupe, et à mon avis, c'est Angile qui mérite la place de chef spirituel du soldat. Et puis, j'ai énormément de respect pour Angile, j'ai tendance de faire équipe avec lui aussi souvent. Mais frère, pourquoi tu me racontes ta vie, toi? Obtenir la matéria, donc faire une mission. Obtenir le couteau de Tombéry. Oh, donc mission 10.2.3. Attends, mais je le veux, le couteau de Tombéry. Ça va faire trop de dégâts. Hein. Ceci permet d'utiliser la technique de transcendance frappe meurtrière. La frappe meurtrière des Tombéry, hein. Il marche tout doucement. Hop, il te met un tout petit coup de couteau. Tu perds full life. Et Tombéry, c'est vraiment des mobs emblématiques de Final Fantasy. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est incroyable. Donc l'objet pot magique est ajouté à la scène. Trouver un pot magique et le satisfaire dans la mission 10.10.2.3. Tombéry maître. Cela permet d'utiliser la technique de transcendance kleptomanie. Ok. Il y a tellement de trucs à faire déjà.